Bonjour à tous, je suis Christine Doumbé, cadre environnement chargée du plan d'action biodiversité à la direction environnementale et sociale de NHPC, Natigal Hydropower Company. Le 5 juin dernier, comme à l'accoutumée, la communauté internationale célébrait la Journée mondiale de l'environnement. Le thème choisi cette année est la restauration des terres, désertification et résistance à la sécheresse. En tant qu'entreprise citoyenne, la préservation de l'environnement est un enjeu clé pour le projet de l'aménagement hydroélectrique de Natigal-Amont. C'est à ce titre que NHPC et ses partenaires sur le chantier et en dehors du chantier œuvrent au quotidien pour appliquer les meilleures pratiques qui visent la préservation de l'environnement. Sur le chantier, la réhabilitation des sites est en cours suivant le plan de démobilisation et de réhabilitation préalablement validé pour minimiser l'impact sur la biodiversité. Cette réhabilitation, qui concerne les zones où les infrastructures permanentes n'ont pas été construites, consiste en plusieurs actions parmi lesquelles le reboisement. Ce reboisement, qui vise la restauration des habitats naturels initiaux avant projet, est piloté sur le plan technique par une équipe de botanistes de l'Université de Yaoundé 1. Cette équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec les populations riveraines des villages de Nokowa Indi pour la fourniture des semences qui enrichissent continuellement la pépinière qui a été mise en place sur le chantier. En dehors du chantier, NHPC assure un appui financier et technique pour la conservation de la biodiversité du parc national de Pemidim, situé dans le département du Mbam-Ékémi, dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec le ministère de la Forêt et de la Faune. C'est à ce titre qu'un certain nombre d'actions sont menées. Le recrutement d'une assistance technique depuis 2019 pour accompagner le service de la conservation du parc, l'élaboration et la validation du plan d'aménagement du parc en 2022, la formation continue des éco-gardes, la réalisation des patrouilles de lutte anti-braconnage et lutte contre la déforestation et bien d'autres actions. Sur la base de ces quelques actions ainsi présentées, sur le chantier et hors chantier, l'apport d'un NHPC à la préservation de l'environnement en général et de la biodiversité en particulier est indéniable, mais beaucoup reste encore à faire. Nous en appelons à tout le personnel de NHPC et à tous ceux qui, comme nous, sont soucieux de la préservation de la biodiversité, à s'approprier le thème de la Journée mondiale de cette année et de mener des actions adéquates pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Ensemble, on continue.